Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. Bon matin tout le monde. Un matin, le plan, ça va être de partir le plus tôt possible. Le lac est vraiment calme, fait que c'est parfait pour le désancrer. Je vais partir en avance parce que je veux être un peu plus en avance en montant parce que j'aimerais ça pouvoir faire de la voile. Des fois, la voile, si j'ai juste la voile, si je ralentis, si je vois quelque chose, ça va me retarder un peu. C'est sûr que c'est pas une course contre la montre, mais si je peux avoir un peu plus de temps pour descendre à Chipman, je vais pouvoir faire un peu de voile à la place de gauler comme hier, puis m'assurer que je prends la trajectoire qui va prendre le moins de temps possible. Là, si je pars en avant, je vais pouvoir profiter un peu de faire la voile. J'ai pas regardé encore la météo s'il va y avoir du vent, mais oui, je pars pareil. Mais présentement, c'est super de bon temps pour partir parce que c'est super calme. Beau. Je suis tout seul sur le lac. Il n'y a pas un bateau, un voilier. Ça a super bien été. Je suis arrivé presque à Chipman. D'après moi, j'étais à environ 2000 nautiques. C'est à peu près 30 minutes de Chipman où je vais aller démater. Il y a une petite baie juste à l'entrée. J'étais marqué ancrage possible sur Navionics. Je me suis ancré là. Je suis pas trop d'ingambe. J'ai à peu près 13 pieds d'eau. On est super bien. Il fait chaud. L'eau est pas très belle. J'irai pas me baigner. Mais au moins, j'étais arrivé en avance comme j'avais prévu. Ça me donne le temps de relaxer. Fait que petite bricole avant d'aller faire démater parce que j'ai du filage que pour le mât que je vais vérifier, commencer à déconnecter, probablement regarder un peu, mais les affaires que je peux démarcher, mais pas la lumière de mât en haut, d'ancrage, dans le fond, de mooring que je vais pas débrancher tout de suite. Je vais laisser là pour la nuit. Ouais. Je pense qu'un matin, il va falloir prendre ça mollo, malgré moi. J'aime ça partir de bonne heure le matin. Profiter aussi que quand le vent est mort comme ça le matin pour me désancrer. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de brouillard. Fait que je pourrais pas partir tout de suite.
ça va me forcer à relaxer, prendre le temps. C'est un peu le but de ce voyage-là. Puis depuis le commencement, je cours partout à 100 000 à l'heure. Aujourd'hui, ça va être un petit matin que je vais écouter une petite émission. Je pense que j'ai downloadé des petits Netflix, pas des Netflix, mais des Disney. Je vais m'asseoir, je vais écouter un petit Simpson, relax, en mangeant, en attendant que le voyage se lève. C'est super beau aussi, c'est paisible au fond. J'ai super bien dormi. Il n'y avait pas une graine de vent. Et à un moment donné, je me demandais si le bateau n'était pas rendu sorti de l'eau. Ça ne bougeait pas pantoute. On dirait qu'on t'amène plus sur l'eau. C'était un bel endroit pour s'ancrer. Parti le moteur, j'ai passé un petit coup de balayeuse, j'ai défait le filage électrique pour la préparation pour enlever le mât. Là, je vais aller lever l'ancre, puis je vais partir, puis je devrais être à Chipman d'environ 30-40 minutes. Donc, l'aventure continue, puis enlever le mât, ça va être une autre belle expérience. Déjà Chipman à l'horizon. Je sais pas si on pourra le voir sur la GoPro. J'arrive au quai dans vraiment pas long. C'est une autre expérience d'arriver tout seul au quai. J'ai appelé Chip, je l'ai averti que j'arrivais, m'expliquer le troisième quai arrive sur le côté tribord. Je pense pas qu'il y ait personne au quai pour me donner un coup de main. Pas grave, l'eau est super calme. Je vais prendre mon temps, relax. Ça va être la meilleure chose à faire. C'est vraiment beau ici, ça a un beau petit cachet. Je vais aller rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer que ça a l'air. C'est, je sais pas quelles années que ça date, là, mais c'est vraiment beau. Je pense que c'est la première partie du voyage que je peux dire que hey, c'est le fun d'avoir ici. Ça a valu la peine. Ouais, juste venir ici, ça a valu la peine. C'est le plus beau bout, en tout cas, depuis que je suis parti là, de Lewis's Point, de mon voyage. Je peux vous dire que c'est vraiment beau. C'est historique. La bâtisse est vieille, c'est épouvantable. Bâtisse sur un flanc de montagne, c'est vraiment beau. Vraiment, là. C'est le fun de voir ça. Je vais rentrer en dedans. Je vais juste faire le tour un peu d'explorer, tant qu'il est ici. Je pense qu'ils ont du propane. Cette valeur, par exemple, ils n'ont pas de diesel. Ça aurait été vraiment commode d'avoir une place qu'on a du diesel. Ils auraient pu t'avoir à la même place, mais coudon, on ne peut pas tout avoir. Puis ça, je pense, c'est la grue. C'est qu'ils utilisent pour enlever le mât.
a des douches. C'est vraiment cool. Wish you were here, hon. Je sais pas quelle année que c'est, là, mais c'est vraiment, vraiment beau. Je viens de partir de la marina de Catskill. Malheureusement, j'aurais aimé ça filmer le processus de tout enlever le mât, parce que c'est assez impressionnant à voir ça, puis la méthode qui s'y prend pour enlever ça. Aller le bateau dans le fond de la marina, se retourner de côté, puis s'enligner vers son boom pour pouvoir s'attacher. Fait qu'on s'attachait en avant, en arrière, avec le bateau de côté. C'était des manœuvres assez serrées. Puis c'était beaucoup de travail, plus que je pensais, puis j'aurais aimé ça. Moi, je me disais, ah, midi, je vais finir ça, puis je vais continuer, je vais me retourner aux écluses, puis qu'il n'y avait pas de vent, ça allait bien. Non, j'ai fini hier, il était environ 6h30. Je suis arrivé à 10h, je pense, en entour de 10h que je suis arrivé à la marina. Bien, c'est sûr, construire le rack, puis tout défaire, enlever le boom. Ça, j'ai tout fait ça seul, parce que Chip, il me conseillait qu'est-ce qui était la meilleure chose à faire, comment faire mon rack comme du monde. Puis lui et sa mère, quand ils ont eu le temps juste de enlever les haubans et de vraiment démater, enlever le mât, eux autres sont là. Sa mère, elle opérait la grue en haut. Puis Chip et moi en bas, on s'occupait du mât en bas. C'était une belle expérience. J'ai hâte de faire la première écluse. Là, je m'en vais vers la première écluse. Je devrais être là. Je m'en vais vraiment pas vite. Fait que d'après moi, je vais être là dans 4-5 heures. Pas grave, je suis pas pressé. Je vérifie pour être sûr que le mât, il bouge pas trop, que le racking, il tient. J'ai à peu près 12 binders. C'est un peu énervant, on peut dire, de se promener, surtout qu'il y a du vent. Je ne voudrais pas qu'un navire arrive et je prenne un gros coup de vent, une vague, ou il y a un câble qui. Il y a un binder qui lâche, puis le mât décide de tilter par-dessus bord. Ça ne sera pas une belle expérience. J'ai oublié de vous dire, je viens d'avoir une alerte météo des gardes côtières, c'est pas pour la région de Burlington, ce que j'ai cru comprendre, pour ce soir. Également, je suis plus au sud de Burlington, puis je m'en vais attendre très tôt au quai avant la première écluse. Puis à partir de là, je vais décider quand que je vais traverser, si le vent tombe ou si j'ai un coup de main là, peut-être qu'il y aura d'autres bateaux là, d'autres voyez aussi, s'il y a quelqu'un qui me donne un coup de main pour traverser le bateau d'écluse. C'est une vraie expérience, peut-être que je vais le faire et dire, bon, c'est facile, c'est l'inconnu. C'est ça qui est le plus intriguant de savoir, on sait pas comment on va pouvoir s'organiser, comment ça va bien aller. Là, comme c'est là, si je m'en vais avec le vent dans la direction où je suis, j'ai vérifié à l'écluse, le vent va me pousser contraire du mur. Fait qu'il va falloir que je me rattrape au mur. Fait que c'est un peu risqué. Quand le vent te pousse collé contre le mur, c'est une chose. Tu vas juste te pousser un peu pour te garder de distance au mur pendant que l'écluse, je pense que là, elle se vide. Mais à ce moment-là, quand elle te pousse de l'autre côté, c'est plus dur à contrôler si le devant du bateau va partir. Non. Une chose à la fois, une journée à la fois, une épreuve à la fois. Je suis arrivé à l'écluse 12, je me suis amarré au quai de la marina juste avant. J'ai rempli le fuel, ça a coûté 68$ de fuel. Dans le fond, je suis parti dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est environ 4 jours, pas 4 jours pleins de navigation. C'est environ 60 litres, 2 litres à l'heure, c'est une trentaine d'heures. Ça aurait du sens, j'ai malheureusement pas pu voir ce qui était écrit sur la machine parce que tandis que je ramenais le boyau, le propriétaire a déjà reseté la machine, mais j'ai pas pu voir le montant. C'est un peu qui m'embête un peu, mais là, ça a du sens le montant. Le propriétaire est bien gentil. Le propriétaire est arrangé comme ça. Il est comme 2h, on est mercredi. Il a commencé de bonne heure, mais il est arrangé comme son quai aussi. Son quai est arrangé pas mal de même. Fait que j'attends qu'il y ait un petit éclairci dans la météo pour pouvoir traverser l'écluse. J'ai appelé l'écuisier. L'écluisier, le gars qui s'occupe de l'écluse, il dit tant qu'il y aura des tonnerres et de l'éclair, ils vont pas ouvrir l'écluse. Puis moi, ben, tant qu'il va y avoir du vent, je vais pas traverser. Mais là, il fait juste pleuvoir pour l'instant. J'entends plus de tonnerre depuis tantôt. Fait que je vais peut-être me risquer. Si je l'appuie, ça ne dérange pas. C'est également ce qui n'est pas de vent. Sinon, j'ai pas l'intention de passer la nuit ici. Je m'assure de passer la nuit l'autre bord de l'écluse. Qui a un quai de béton qui est gratuit que je pourrais m'amarrer là pour passer la nuit. Je pense même qu'il arrête l'électricité en ce moment, l'eau bord.
Je vais voir ce qui va se passer. On va attendre un peu les matériaux s'éclaircir. Mais une chose, si tout est tout bâbord, moi j'étais tout prêt pour le tribord, puis on n'est pas le choix d'être sur bâbord ici, à gauche. Fait que j'aurais pas, j'ai tout changé, mes fenders, les de bord, les bumpers. Mon paddleboard était à l'autre bord, je l'ai rentré en dedans parce que là j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai toutes mes lignes sont de l'autre côté aussi, mais là j'ai pas le choix, je suis attaché au quai. Fait que quand je pars, quand je recule d'ici, il fallait que je prenne mes lignes, j'en ai une l'autre bord. J'en ai trois d'un côté, mais là je vais en emmener au moins un autre d'autre côté, puis toutes les défenses, là, je les transfère à l'autre côté. Fait que, c'est de l'organisation que je m'attendais pas, puisque j'étais sûr qu'on pouvait la prendre d'un côté ou l'autre. Fait que j'étais tout prêt de ce côté-là. Puis mon pas d'hélice fait aussi que mon bateau se pousse plus de ce bord-là, fait que je suis plus habitué d'amarrer côté droit, côté tribord. En tout cas, on va voir comment ça va aller. Si je l'essaye pas, je le saurai pas. Faut être débile mental pour faire ça tout seul. Je sais pas ce qu'il y en a qui me dit que ça passe bien là. Mais t'auras le talent que tu veux là. Tu peux pas empêcher ton bateau de tomber. En moins que ton bateau il a 100 pieds de long et il est super stable là. Mais le mien là, il est tossé de droite à gauche, droite à gauche. Je courais d'un bord de l'autre du pont pour le repousser d'un bord, pousser de l'autre. Le gars de l'écluse même, il me dit quand je l'ai appelé, il dit il dit, fais pas ça tout seul, là. Il dit, ça prend quelqu'un d'autre parce que ton bateau va chier d'un bord puis de l'autre. Il dit, man, c'est là que ça se passe ou ça casse, je descends. J'étais en mission d'aller voir ma femme, je le fais coûte que coûte. Je l'ai fait. Le gars était super gentil. Mais c'est ça, c'était du sport. Et voici la place pour la nuit. J'ai été chanceux à date et j'ai pas eu beaucoup de pluie. Fait que je peux me croire chanceux. Puis là, ben, tu la soirée, je suis pas obligé de prendre ma douche. Il reste juste à me mettre du savon puis à ressortir dehors et être à la pluie. Le restant, ça va quand même bien aller. Ouais! C'est une belle journée aujourd'hui. Des belles choses accomplies.